Et salut tout le monde, c'est Delta et on se retrouve encore pour la suite de Fire Emblem, toujours avec Pikmin qui n'est pas prêt. Si je suis prêt. Non, t'es pas prêt. Si je suis prêt. Non. Donc. Quitté pour dire si je suis prêt ou pas. Est-ce que tu connais le titre Pikmin de ce chapitre? Il y a mercenaires dedans. D'accord. Ça nous avance beaucoup. Bah oui, tu verras quand on aura fini la mission, ça sera marqué. Pourquoi le surprise! Ah, il reparle encore du marquis. Oui, le marquis qui meurt à petit feu, tué par un poison qu'il inhale régulièrement. Mon dieu, il a suivi toute la conversation, et moi. Non, en fait, j'ai réussi à capter une bulle sur 10 et. Ah. Et c'est expliqué un peu tout. Après, il parlait que je vais prendre le trône de je sais pas trop quoi. et le garde qui, pour ne pas se faire couper la tête, rigole à son tour. Il suffit d'une nuit. Pourquoi lire toutes les buts alors qu'il y a tout, il y a tout un résumé raconté dans une seule? Ce sont des choses qui jamais. Bah les barbares soldats de la montagne de. Ah oui, je viens de remarquer que derrière les maisons, elles sont toutes pétées. Ça s'appelle un village détruit ou pillé. J'avais un jour quand je serai plus forte. Alors été supposé sur le poids des attaques. Déjà que t'as l'épée sacrée. J'avoue. Comme la paille qui s'abrise sous les sabots d'un cheval. Je forgerai mon peuple. Quand l'heure sera venue, amenez-moi avec vous. Ah d'accord. Sane. Moi aussi, je vous suivrai. Ken. Oh. Blue aussi. Dis non. Oh mais non, on n'a rien dit. On n'a même pas notre modèle, tu vois, toi. Enfin, on voit Blue. Ah ouais. Qui ressemble à un mec d'ailleurs entre nous, il ressemble pas à une fille. Du moins, Zel. Nedel. Et là aussi, c'est très chevaleresque. Non, lui, c'est un barbare des montagnes de Patakamak. Des montagnes de Montakaka. Non. Patakamak. Ah bah tu vois, tout se relie. On parlait de poisson tout à l'heure et là il parle de pêche. Voilà, en fait, on est des devins. On prévoit déjà tout. Voilà. Elle n'a pas été tendre avec moi. Elle n'a que ce qu'elle mérite. Pourquoi est-ce que tu fais quelque chose d'autre? Je vois pas quoi. Je. Sa mule volante. Ah oui, mais c'est vrai, il y a des mules volantes, je suis con. Des Pégases. Voilà. On va croiser Pégase! Dans les metteurs de. Oh, il y a les chevaliers de Zodiac! 5 euros que cette petite fille va rejoindre notre groupe et que c'est une puissante magicienne de la Muerte Kamata! Waouh, c'est une chevalier Pégase, je sais pas. Ce serait beaucoup moins de style. Puis, tu vois pas cette petite fille bleue qui n'a pas fait ce que voulait le barbare? Putain, pourquoi je renifle tout le temps? Non, c'est bien le chevalier Pégase. Vous ne la touchez pas. Que se passe-t-il? Regarde, une petite fille en train de se faire agresser. Bah oui, c'est un Pégase. Ils l'ont dit au moins 5-6 fois. Je l'ai dit tout seul. Ils ont pas dit un Pégase, ils ont dit une mule volante. Ah oui. Florina. Que faites-vous dans un endroit pareil? Apparemment oui. Florina, Lynn. Séchez donc ces larmes. Mais ils sont passés où les barbares? J'avoue. Laisse passer la petite comme ça, tu sais. C'est une amie. Florina est une cavalière pédale. Ah ouais, en formation. Ah, tu vois? Elle vient d'Ilia. Les hommes d'intime. Ah, je sais pas. Dis-moi tout, Florina. Que s'est-il passé? Dis-moi tout. Eh bien, bah ça nous explique des choses, hein. Appuie sur A. En prenant votre départ, j'ai voulu vous suivre. Puis j'ai vu ce village. Du coup, j'ai décidé de m'y arrêter pour me renseigner. Ah oui, un village pillé avec des maisons détruites. Et... À mon avis, il l'était pas quand elle s'est arrêtée. Ouais. Aucun esprit RPG, toi. Ah, tu vois, il y avait déjà les deux hommes. Il y avait déjà les deux barbares. Ils n'ont pas encore le village. Et si tu regardes bien, derrière Florina, les maisons sont pas pillées. Oh.
Eh oui. Donc ce n'est pas un village pillé, c'est un moitié de village pillé. Exactement. Tu comprends. Elle reconnaît cet or. Elle s'est écrasée sur mon ami. Il faut qu'elle répare sa peau. Ah, en fait, c'est... Ah, bah d'accord, bah, ils sont pas des méchants, hein. Ce sont pas des méchants, alors. Donne-lui Florina. Bien entendu que je me suis excusé. Eh bien, dans ton corps. Pourquoi tout de suite, toi? Bah, je sais pas, ils veulent de l'argent, ils veulent payer en nature. Bah, à mon avis, c'est en nature qu'il voulait qu'elle paye. Bah, voilà. Ouais, là, ça fait carrément pédobire, quoi. Enfin, je veux dire, non, cette fille est à nous. D'où ils viennent comme ça? Et attends, d'où elle est en plein milieu, là. Ça se trouve, elle a pas d'armes, elle a que dalle. Ouh! Quelle fatigue! Bouge ton cul, sors de l'écran. Un conseil, fais sauter l'archer là, il a eu. Bah voilà. Mais pourquoi vous reculez? C'est cet archer qui va vous cadasser. Je peux pas te renifler. Yes, je vous présente vous. Son apprentissage n'est pas encore terminé. C'est déjà un stratège de... Ah, j'ai un homme ou une femme? Ah. Lou serait un travesti. Allez, c'est parti, pas joueur. Oh non, encore un désactivé. Ah, maintenant ouais. Tu vas visiter le village, en plein combat. Quoi, elle s'ennuie, Lynn, tu sais, qu'est-ce qu'elle ferait pas? Il y a quelqu'un? Laissez-nous en paix, bonne bonheur. Nous ne sommes pas des voleurs. Nous sommes des... Je vous en supplie. Écoutez-nous. Ce qui se passe. Oh, oh. Lui, il a la classe. Je le veux dans mon équipe. Tu l'auras sûrement. Mes amis et moi sommes juste de passage. Attention, Bordy, nous allons nous occuper, mais, de notre traite pour avertir les villageois. En plus, tu vois, là, il y a genre la super musique de recrutement, là. Et pas si vite, je m'appelle Will. Non, en plus, tu vois, c'est super avec la musique, là, genre, trop épique, avec le personnage trop épique. Enfin, même s'il a une histoire pas épique du tout. Alors, on va voir ce que t'as dans le ventre. Ah, c'est un archer. Ah, j'aime les archers. Oui. On va pouvoir canarder les archers. Puis ensuite, on le tue. Ça, on l'envoie au front. Ouais. Ah, j'espère que dans l'autre maison aussi, il y a des personnages. Oh, oui, je suis là. Qui est là? Qui? Oula. Tu râles? Ah, voilà. Alors normalement... Ah ok d'accord, toi, carrément, tes flèches ils traversent le mur. Peur de rien Will, hein. Tu crois quoi? What the? Moi j'ai juste vu le truc blanc. Allez c'est pas oui on s'en fout. Si tu te mets au cas qu'ils peuvent pas te taguer les archers. Au nord de l'autre côté du mur. Tu vas attaquer ce bandit n'est-ce pas? Mais non, j'ai pas envie. Bah, je te laisse attaquer, j'ai jamais dit que je... Vas-y, attaque, cavalier Pégase. Ouais, j'ai bien. Et voilà, quelle grâce. Quelle dextérité. Exact. Et là, bien sûr, la technique aurait pu utiliser tout le ton pour attaquer l'archer. Quoique, si t'es au cas, qu'il peut pas t'attaquer, il me semble. Alors... La lance de fer. Oh oui. Aïe. Comment il est pas mort lui? Il s'est pris une lance en pleine tête. Oh voilà, il s'en est pris deux. Il lui en a fallu. Je reviens. Ok. Vite, on revient.
tout seul. Wow. Bon. Ah bien. Oh il est esquivé. Mais non, bah, faut que j'arrête de faire ça, je crois qu'il esquive ça parce que. Bon, c'est vrai qu'au début, il paraissait un peu. Ouais, c'est vrai qu'au début il me paraissait un peu. À donner des ordres, mais non, en fait non. Ah, sûr, il a les hommes, l'intimide et les arcs aussi. Lol. Me revoilà. Donc, Florina et. Et Will sont en train de faire connaissance en plein combat. Et Florina aime pas les arcs. Quelle bouffe celle-là! Quelle cruche! La simple vue d'un arc me terrorise! Alors casse-toi! Je comprends tout à fait, je vais aller me suicider. Mais vous devriez craindre les arcs de vos ennemis. Pas ceux de vos alliés. Du sang. les unités volantes et les kamikazes ne sont pas plus vulnérables aux arcs. Non, c'est vrai, je savais pas. Allez, c'est parti. On va se le faire, cet archer. Lance en fer. Kabib, non. Il m'a esquivé, oh le fou. Oh, il m'a pas esquivé. Oh, il est pas fou. Tu fais quand même vachement mal, hein. Ouais, faut voir que ça, il s'est amélioré. Bravo. Ah, pourquoi tu traverses pas les murs? Parce qu'ils volent pas. Dommage. Salut. Ça va, lapin? On a visité la maison. C'est un village, hein. Ah oui. Non, c'est une maison. Non, c'est un village. Ah, d'accord. Je voudrais moi aussi apporter ma contribution. Prenez cet argent. Je sais, c'est peu. Il y a un magasin d'armes au sud-est. Oh, gentil. Gentifie. Bien sûr, on va pas s'équiper. On va les massacrer sans armure. Et on va garder les sous. Ah oui, oui. Que je fais tout le temps, moi. Allez. Tenez de l'argent pour vous acheter des potions. Mon dieu. L'argent aux potions, au final. Et elle a pas esquivé. Lui non plus. Ah. En plus, il est fatigué deux fois. Ah, il prend cher. Carrément, il fait le contour pour m'attaquer. Ah, les autres, ils ont peur. Ah bah ouais. Alors, par contre, ce que je peux faire... Là, par contre, faut être technique. Bon, déjà, monte l'archer pour aller attaquer la hache. Crève. Ah bah, merde, ça pas crève. Ça pique, en tout cas. Ouais, ça pique. Ça picote. Non. Épée. Et bien sûr, il est pas mort. Ouais, mais il a rasé son coup. Ouais. Oh, niveau 3. Comme Kent. Super. Et Lynn, ah, non Lynn, elle est... Non, je crois pas qu'elle est level 3. T'as eu la gueule de Kent en haut à droite? Hein? Ah oui. Énorme. Il a l'air blasé, le pauvre. On va laisser là, voilà. Elle, voilà, on est là. Tu pourrais la monter un double plus haut. Non, parce que là, il y a l'archer et bien sûr. Ah ouais. Florina, par contre, j'ai peur qu'elle se fasse agresser par le bandit si je tue lui. C'est presque sûr, hein, mais bon, écoute. Ah, tu peux aller buter l'autre bandit. Non, il y a un arc non, pas loin. Il y a l'archer et l'archer, ça fait encore plus mal. Au pire, elle meurt. Non, non. Sinon, Fate, il va se moquer de moi dès le début. On va faire attendre. Voilà. Ah là là. Dieu sait que j'aurais déjà sacrifié l'un de mes membres. Ah, je suis pas très tacticien. Il y a que toi, Pikmin, pour faire ça. Ce sont de vrais personnages. Ils sont vivants. Oula.
ne les envoie pas. L'épée n'aime pas se manger des coups d'épée quand même, il a pris. Mal au ventre. Par contre, l'arc ça a pas fait mal. Bon bah vas-y, tu le bandis ton poignet. Ouais. Tu le bandis à la hache. Meurs, vil brigand. Voilà. Et un de moins. Tous pour un et un pour tous. Oh, c'est l'inverse. Là, tu tues le deuxième brigand. Là, tu peux tuer le brigand. Ouais, mais il lui reste combien de vie? Parce que s'il lui reste trop de vie. 12. Non. Bah, c'est bon. Tu es l'archer. Voilà. Et il peut t'attaquer lui aussi, non? Non, parce qu'il crève. Ah, ok. Il faut être tactique. Effectivement. Je me soumets à ta toute puissance. Ça ne va pas du tout. Plus rien ne va. Hello. Ouais. Allez, va acheter des armes. Négoce. Bah, okay. C'est des trucs que t'as déjà. Bah. Aucune, t'as, tu les as déjà. Ouais, je m'en fous en fait. Casse-toi. Bah ouais, mais toi là, c'est bon. Je l'attaque pas. Au pire, t'attaques pas. Hein. Je retourne, tu les massacres tous. Ouais, je vais faire prendre une potion. Ouais, je vais faire prendre une potion. Potion. Pour 4 points de vie, ça me... Coup d'épée retourné. Quoi, oh, tu l'as manqué, Kent? T'es sérieux? Ah non, d'accord, j'ai fait un coup. Il s'est repris quand même. C'est Kent dont on parle. Olé, bien joué Kent. Oh. Oh, oh, il va changer l'équipe là. J'ai l'impression, ouais. Full team. Wouh. Allez, encore un. Ah non, là, il est branché un peu. Bon, on dira rien. Vas-y. Moi, je veux voir la toute puissance de Lynn, quoi. Elle a pas encore attaqué avec... Comment elle s'appelle déjà son équipe? Là, non, on va garder pour le boss. Bah, attaque avec l'archer. Fais-le monter. Arc en fer. Kaboum. Et voilà. Il ne reste plus que toi. Vas-y, attaque, chevalier Pégase. Oh mais j'y crois pas. La 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 la. Bon, Ken va attaquer. Finalement, Lynn n'aura rien foutu. Voilà. Lance fine. Mais non, son hache, elle fait trop mal. Je vais pas attaquer. Elle va crever, sinon. Je sais pas, moi. Mais alors, passe. Attends. Aux armes, je vais pas attendre leurs stupides excuses. Ok. Touché. Encore touché. Un troisième petit coup? Non. Non. Ah, Lynn, ah, Lynn, ah, Lynn. Bon, d'accord, Aline. Magnifique. Mais j'ai pas envie d'utiliser parce que je sais qu'on en aura besoin plus tard et c'est. Y'a un problème si on utilise Malikiti? Bah parce que tu vois, il y a utilisation 45 fois à droite. Ah ok, ça c'est le nom d'utilisation. Voilà, et quand le... et c'est pour ça qu'on peut racheter des armes. Oh, tu comprends? Ouais. Moi je croyais que c'était une valeur de puissance ou une connerie comme ça. Oula, tyrannes. Je vais d'abord attaquer les archers en fait. C'est relou. Voilà. Boum. Tiens.
Lynn. Ou alors chevalier. Ou alors Florina. De toute façon, c'est le prochain qui attaquera qui gagnera. Vas-y. Excusez-moi. Hein, encore toi. Tout compris, tu veux bien nous suivre, hein. Pas vraiment, mais tout est de ma faute. Je revois sincèrement, nous pourrions peut-être. Quoi donc? Allez, abrège. Désolé, pourrions-nous cesser ce combat inutile? C'est une plaisanterie, tu m'as déjà utilisé une fois possible. Il va s'en prendre 4. Oula, elle a fait un coup critique en plus. C'était fait exprès, à mon avis. Wow. Oh oui! Changement de niveau. Niveau 2. Là-bas, là. Ah, je te dis pas, par contre, si on arrive à la faire. Si on arrive à la garder jusqu'au niveau 10, on la fait évoluer. On la fait changer de classe. Elle est surpuissante. Il y a des classes en plus? Ouais. Quand on arrive au niveau 10, on peut choisir une classe si on a une amulette. C'est pas une classe déjà, Chevalier Pégase? Ouais. Bah, c'est première classe, quoi. Un peu comme Dragonica. Voilà. Bon, et bien, dès qu'ils auront fini de parler, on va arrêter là, hein, parce que ça fait déjà beaucoup. Déjà beaucoup de vidéos là. 4. Non, 3. Non, mais je veux dire le temps. Ah oui. Donc, j'ai toujours pas encore suivi la combe. Super. Pas grave, tu reverras la vidéo et tu liras. Ouais. Donc, ben voilà, ben c'était. Ah, en fait, c'est gros Florina qui veut t'accompagner. Ouais, bah. Non, c'est vrai. On n'aurait pas deviné. On aura des magiciens qui pourront faire sortir un tsunami d'un puits asséché. Ah. Je me demande, hein, je pose la question. Non, mais tu sais, comme ils font si bien, hein, sortir de l'eau de nulle part, des trucs comme ça. Des trucs magiques de magie. Non, aucun. Non. Bah ouais, les magiciens élémentalistes. Sinon, il y aura aussi il y aura aussi des exorcistes, des sorciers maléfiques. Putain, c'est tout un bestiaire qu'on a de nos côtés. Hein. Ouais. On a le Pôle emploi chez nous. Et encore, Blue, c'était quoi déjà? Enfin, il y avait quoi déjà comme dessin à côté du nom? Qu'on a choisi. Un petit rond. Trois petits ronds, un rouge, un jaune et un bleu. Ah bah, je crois que c'est les mentalistes, ça. Mais ça veut dire quoi? Bah, feu, eau. Non, je veux dire, ça veut dire quoi ce petit dessin? Bah, c'est le dessin des mentalistes. Oui, mais il apporte quoi au jeu? Bah, c'est la classe qui est le personnage. Oh. Est-ce qu'on va utiliser Blue à un moment? Je sais pas. Ça m'étonne aussi. Bah, j'y ai pas joué au jeu donc. Et tous les fans qui savent à quoi ça sert et pas nous. Ouais, bah, je sais pas, j'ai joué à Secret Stone, mais c'était pas du tout comme ça. Bah, tu vois, y avait pas de stratège à Secret Stone. Nous, on était un homme invisible. Là, ici aussi. Hein. Entre nous, Blue, on le voit pas beaucoup. Oui, mais je veux dire, au moins, On l'a, oui. Bon, ben, il y a encore beaucoup de paroles, dis donc. J'espère que vous avez apprécié ça. J'ai beaucoup de chance pour être franc. Ces bandits m'ont dépouillé et je n'ai qu'un arc. Et plus de sous. Et il y a aussi mon protège-bras. Ils sont tout plats, maintenant. Ils sont tous en train de sourire. Non, pas Kent. D'ailleurs, Kent. Oulala, vas-y. C'est rien. C'est rien. Dans tes contacts. C'est rien. Alors, légende de l'Indy. Vous ne faites pas tout le monde un peu loin, Blue. Non, mais non. Bon, ben donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était super. Ouais, encore une fois. Et nous, on va encore continuer, sans doute. Donc, à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao, ciao. Ciao.